En 2017, je suis invitée à une rencontre pendant une semaine sur ce qu'on connaît sous le nom de plateau de mille vaches et que les habitants très engagés et alternatifs préfèrent appeler la montagne limousine. La rencontre donc est organisée par plusieurs collectifs, dont les habitants de cette ferme et notamment Ellie Kongs, qui est l'éditeur des éditions Dehors, et il me propose de faire un livre après mon intervention qui a suscité un débat très passionné pendant 3 heures. Le livre, je vais attendre de le faire parce que je tiens absolument à retourner en Australie, mais aussi en Guyane française avant de le terminer, ce que je pourrais faire en 2018. Et en 2019, j'y travaille un peu, j'assemble énormément de matériaux et le confinement de 2020 me permet de terminer le livre et il est sorti en juin 2021. Il s'appelle « Réveiller les esprits de la Terre ». Au départ, le titre de travail était « Glissement de terrain », à la fois pour essayer de tenir compte des différents terrains que j'ai pu faire entre, et déjà en Australie, des terrains différents dans le désert sur la côte nord-ouest et l'île de Palme sur la côte est, donc sur le Pacifique, mais aussi surtout la sensibilisation que j'ai eue d'abord au peuple autochtone français des territoires d'outre-mer, et puis ensuite à ce qui se passe en France avec toutes sortes de collectifs qui se battent pour défendre leur milieu de la destruction par une course effrénée de grands projets inutiles et puis voilà, l'appel à la consommation effrénée aussi et les enjeux climatiques qui nous font aujourd'hui, nous posent des défis par rapport au fait qu'il faut qu'on change nos modes de vie. Et mon approche, disons, dans Réveiller les esprits de la Terre, c'est d'essayer de proposer des lignes d'espoir par rapport à des alliances possibles entre à la fois des peuples autochtones et puis des groupes en lutte ici ou ailleurs, mais particulièrement en France, parce que au départ, glissement de terrain, c'était l'idée que le sol se déroule sous nos pieds. Mais là, il s'agit vraiment de se mettre à l'écoute de ce que la Terre nous dit. Pas la Terre avec un grand T, le globe, mais les terres. La Terre que l'on a sous ses pieds, là où on est. En anglais, d'ailleurs, on sépare « earth » pour dire le globe, la terre avec un grand T, et land, pour parler de la terre où on est. D'ailleurs, le premier chapitre de mon livre « Indigéniser l'anthropologie » avec Guattari et Deleuze s'intitulait « Devenir terre ».« Becoming land », donc pas terre avec un grand T. Donc, le livre, là, est organisé en 5 chapitres. Le premier chapitre, c'est la conférence que j'ai faite à la ferme de la Chaux. Et la discussion qui est transcrite que j'ai eue avec les habitants, enfin une partie de la discussion. J'y explique d'une part la cosmopolitique Walpiri, dont il a été question avant, et notamment en résonance avec l'écosophie de Guattari. L'écosophie de Guattari, ce n'est pas la même chose que l'écosophie de Nice, de la Wilderness. Il ne s'agit pas de préserver des milieux de tout habitant. Au contraire, il s'agit de penser le milieu qui nous traverse et de
de comprendre de la leçon de tous les peuples autochtones du monde, que c'est précisément en prenant soin du milieu et qu'il a été transformé. Il n'y a pas de terre vierge dans le monde, même la forêt amazonienne est le résultat par sa biodiversité de tous les passages qu'il y a eu humains et animaux. Et dans cette conférence aussi, j'ai raconté, lu, quelques extraits d'un entretien que j'ai eu avec un chaman, Len Sullivan, dont l'intégralité de cet entretien d'une heure a été publiée donc dans le livre anglais. Mais ici, dans la conférence, j'ai repris certains passages pour essayer de sensibiliser le public au fait que partout où nous sommes, peut-être, il y a quelque chose de cet ordre-là à entendre et à sentir. Et donc, Len Sullivan, je le connais depuis que j'avais été invitée à James Cook University en 2004. À l'époque, c'est un jeune homme qui fait des études et qui vient d'une communauté du désert dans le Queensland, Boulia. Il fait des études en archéologie et en anthropologie. Et puis, il parle sa langue, il a fait un livre sur sa langue déjà. Il est très impliqué pour accompagner des aborigènes dans les prisons, pour servir d'interprète, mais aussi donner des soins. Et il est aussi très sollicité par des aborigènes sur la côte, donc de Townsville, qui sont d'autres peuples que lui et qui ont perdu leur rituel pour faire revenir des initiations, pour faire renaître des initiations en faisant venir des anciens du désert, pour qu'ils réapprennent au groupe de la côte comment faire des rituels. Et ceci n'est pas juste une réinvention qui fait vivre la culture, il s'agit aussi de refaire vivre des échanges qui avaient lieu dans tout le nord australien entre des groupes de langues différentes, des objets qui circulaient, des chants qui circulaient, et même des mariages intertribaux à très grande distance qui permettaient de nouer des alliances et de renforcer ce réseau des échanges à travers tout le continent. Et donc en ville, à Townsville, il y a aussi beaucoup de jeunes, ou moins jeunes, qui demandent à Lens des filtres d'amour. Bref, c'est un Ngankari, c'est-à-dire c'est un chaman. Et donc en 2017, on me demande en France. Il y a depuis une dizaine d'années, tous les ans, un grand rassemblement international organisé par un groupe de soignants qui se disent, qui réinventent en fait une sorte de tradition celte. Bon, certains sont d'accord avec ce qu'ils font, d'autres pas, mais ils s'investissent énormément pour inviter chaque année quelques 200 guérisseurs du monde entier, donc des chamans ou d'autres types de traditions, et accueille pendant quelques jours près de 6000 visiteurs qui viennent en demande de soins. Donc c'est dans un grand champ, il y a des dizaines de tentes plus ou moins grandes ou petites et intimes pour proposer donc des soins du monde entier et aussi des soins qui se font en Europe. Et on me demande donc de faire venir une délégation aborigène. Donc je me renseigne un peu, il y a des aborigènes qui sont intéressés, dont Lens, et également des aborigènes de la Terre d'Arnhem, enfin qui vivent à Darwin, un frère et une sœur, et deux femmes qui vivent dans les Kimberley, à Broome. La deuxième année, une nouvelle délégation va venir, notamment le grand-oncle de mes filles, qui est aussi un Jalganguru, donc un chaman Djugunyaru. Et la troisième année, il y aura à nouveau une délégation aborigène. Mais j'ai aussi demandé que soit invitée une délégation d'autochtones français, puisqu'il y a beaucoup d'Amérindiens qui viennent chaque année, mais en fait, c'est toujours des Amérindiens des autres pays d'Amérique du Sud et pas de Guyane française. Donc en 2017 viennent des Kalinias du nord de la Guyane française et puis en 2018 des Wayana du Maroni. Voilà, et nous parlons donc de ces soins avec les gens de la montagne Limousine. Le chapitre 2
est consacrée au Walpiri, et notamment à Wanta, qui est un Walpiri qui était un instituteur et qui a eu une révélation à un moment donné et a eu l'idée que pour permettre la transmission de la culture qui était en train de se perdre avec notamment l'arrivée des smartphones et puis le fait que beaucoup d'aborigènes vivaient dans une situation très difficile, a eu cette idée d'organiser un festival, Milpiri, qui signifie, c'est une forme de nuage, pour pouvoir faire travailler les enfants dans les écoles avec de la musique hip-hop sur leur culture et aussi impliquer les anciens pour qu'ils dansent des pistes de leurs rêves totémiques. Et donc ce festival a eu énormément de succès. Et Wanta et Lens, tous les deux, je les avais fait inviter à Lyon, juste avant quand le musée des Confluences était en cours de construction. Il y avait un programme qui était dirigé par Michel Côté, du Québec, pour justement mettre en valeur les savoirs des peuples autochtones. Et donc, il était tellement impressionné par la rencontre avec Wanta et avec Lens, qu'il leur a demandé de faire une cérémonie de fumigation dans les fondations du musée qui n'étaient pas encore construites. Et ceci a été filmé par un réalisateur amérindien, péruvien, Galindo, qui a appelé son film La Terre, c'est la vie. Voilà, donc ce chapitre 2 raconte un peu ces expériences, comment ces rencontres de festivals en fait sont en train de rejouer les rapports entre les différentes cultures et nous invitent à inventer littéralement pour retrouver des liens qu'on a perdus avec la terre, inventer de nouveaux rituels. Et comme disent les aborigènes, notamment Lens, le chaman, et les autres délégations du nord et de l'ouest, quand les personnes viennent en demande de soins et posent des questions sur comment retrouver nos liens spirituels avec la terre, eh bien, ils leur disent, vous n'avez pas à nous imiter. C'est pas ça la réponse. Nous aussi, on a perdu beaucoup de notre culture, on a été obligé de la réinventer. Et même quand on n'arrivait plus à parler la langue, ce qui était le cas des personnes d'Australie de l'Ouest, eh bien, on l'a réappris, ou alors, surtout, on a retrouvé des liens avec les lieux de nos ancêtres par les rêves. Et vous pouvez faire la même chose. Parce que pour tous les aborigènes, de manière un peu différente, mais il y a quelque chose qui avait été repéré par les premiers anthropologues, ce qu'on appelle les esprits enfants. Et les esprits enfants, qu'est-ce que c'est? Eh bien, contrairement à des interprétations absurdes qui ont été données en anthropologie, qui disent que les aborigènes ne connaissaient pas la relation entre le rapport sexuel et la conception. En fait, pour les Walpiri et tous les autres peuples aborigènes, il ne suffit pas de faire l'amour pour avoir un enfant. Il faut que l'esprit de l'enfant qui est là, dans la matière, à attendre de naître, se choisissent des parents. Et ceci est révélé en rêve, le lieu exact d'où vient l'enfant, la ligne totémique à laquelle il appartient. Pour les Walpiri, son prénom sous forme d'un vers condensé qui est son prénom secret ensuite. Et donc, à la mort, cette virtualité de vie retourne exactement au même endroit et attend de se rematérialiser sous la forme d'un nouvel enfant, qui peut changer de sexe d'ailleurs. Et puis aussi, voilà, la matière est une myriade de virtualités de vie qui prennent différentes formes, humaines et non humaines. Et les aborigènes nous disent, eh bien, ce qui est le cas pour nous, c'est aussi le cas pour les Australiens non aborigènes qui naissent en Australie, mais c'est aussi le cas pour vous. Ici en France ou au Canada ou ailleurs, vous avez tous un esprit enfant. Votre devenir qui vous associe à quelque chose de la forme du vivant et à un lieu.
Voilà. Alors, dans ce chapitre, je discute aussi, à partir de là, la question du totémisme comme étant une forme de stratégie pour éviter l'émergence de pouvoirs dominants. Et donc, cette interdépendance entre toutes les lignes totémiques d'une seule société qui parle la même langue fait que les gardiens de l'eau ne sont pas plus importants que les gardiens du kangourou ou les gardiens des ignames. Et que donc, il faut sans arrêt insister sur cette interdépendance. Et je dis que ce qui est au fondement de cette cosmopolitique aborigène, c'est ce qui, d'une certaine façon, leur permet de résister à l'État, sous différentes formes. Et je fais un parallèle avec les débats qu'il y a eu et qui sont revenus sur le devant de la scène ces dernières années, qui intéressent non seulement des anthropologues, mais aussi des philosophes, des psychologues, enfin toutes les sciences humaines et sociales, des politologues, de cette théorie de Pierre Clastres de la société contre l'État. Et je propose dans cette hypothèse que pour les aborigènes, ce n'est pas tout à fait les mêmes analyses que celles que Clastres avait proposées, mais qu'elles tiennent justement dans cette organisation sociale très complexe dont on a parlé dans une autre section. Alors, puisqu'il est question de totémisme, beaucoup de gens posent toujours la question et le tournant ontologique. Mon article sur Guattari et l'anthropologie, qui a été publié en 2007 dans Multitude, a été traduit au Japon dans la Revue de la Pensée d'aujourd'hui, dans le même numéro que Latour, Viveiros de Castro et Descola. En France, je ne suis pas associée au tournant ontologique. Cela ne me gêne pas, dans la mesure où le débat français est très centré sur les quatre ontologies de Descola, naturalisme, animisme, analogisme et totémisme, et je ne suis guère d'accord avec sa définition du totémisme. Voilà, donc j'en parle un peu dans ce livre et j'en ai parlé ailleurs. Par contre, Viveiros de Castro, donc, théorie du perspectivisme qui séduit beaucoup de gens dans beaucoup de disciplines, y compris en art. Je le connais depuis longtemps. Il a présenté d'ailleurs mon livre brésilien, Devenir totémique, pour son lancement à São Paulo en 2015. Nous avions aussi participé ensemble à une rencontre sur la décolonisation de la pensée, organisée en 2012 par le programme européen monté par le philosophe Jean-Christophe Godard à l'Université de Toulouse. Un programme très très formidable qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Au débat sur les catégories ontologiques, je préfère valoriser la carte écosophique de Guattari, qui croise dans une matrice, imaginez, un diagramme, l'actuel, le virtuel, en bas le réel et en haut le possible. Et donc, quand on organise tout ça ensemble, ça donne quoi? Ça donne que le réel et le virtuel, c'est ce que Guattari appelait les territoires existentiels. Les territoires existentiels ne sont pas forcément matériels, mais ils peuvent l'être. C'est aussi les territoires existentiels des personnes exilées. Nous en avons tous. Hein? Ensuite, ce qui est réel et actuel, c'est ce qu'il appelait les flux. Les flux, c'est aussi bien les flux corporels, le sang, le lait, l'urine, les flux de la terre, l'eau, mais c'est aussi les flux du capital, les flux bancaires, voilà. Et donc, le troisième pôle, ce qui est à la fois actuel et possible, c'est ce qu'il a appelé les philums machiniques. C'est des concepts qu'il partageait aussi avec Deleuze, mais sa cartographie dite écosophique a repris ça dans cette matrice, dans ces diagrammes à penser que j'utilise beaucoup. Et donc, l'actuel et le possible, les philums machiniques, eh bien, ce sont tous les systèmes comme les mathématiques, l'informatique, les choses qui ne sont pas forcément des machines palpables, mais qui font fonctionner et les machines, mais aussi la pensée, et des systèmes, des écosystèmes, etc. Voilà, les philums, c'est-à-dire des choses qui fonctionnent aussi de manière généalogique. Et puis le quatrième functeur, comme dit Guattari, donc le quatrième pôle,
Donc le possible, et qu'est-ce qui est au croisement du possible et du virtuel? Eh bien, c'est ce qu'il appelait les univers incorporels. Les univers incorporels, donc immatériels, par opposition aux flux qui sont matériels, en diagonale, et aussi ce qui correspond à ce qu'ils avaient développé avec Deleuze sous la notion de ritournelle. Les ritournelles, en étudiant les oiseaux, les oiseaux ont des champs particuliers qui les territorialisent sur certains lieux. Et donc, quelque chose dans les ritournelles nous associe à des éléments de mémoire et à des lieux. Et donc, cet aspect-là est en lien direct avec le passage au réel des territoires existentiels. Donc, il faut combiner tout ça selon les choses que l'on étudie. Et pour moi, ça a été extrêmement productif et c'est très dynamique. Et c'est une manière donc écosophique qui ne sépare pas l'individu, le collectif et le milieu, mais pense tout ça de manière transversale. Alors, le chapitre 3 est entièrement consacré à la Guyane française. J'avais eu la chance, en 1989, quand était sorti mon livre « Les rêveurs du désert », d'être invitée sur un plateau télévision, c'était l'émission « Chez Fred » de Frédéric Mitterrand, et ce soir-là, c'était consacré au peuple autochtone en particulier. C'était la première fois, on ne disait pas encore autochtone à l'époque, on disait indigène. Bon, le terme a changé avec la déclaration sur les peuples autochtones, ce sont d'ailleurs des Canadiens francophones qui ont préféré utiliser le terme autochtone pour traduire l'anglais « indigenous », parce que « indigène » sonnait trop colonial, et c'est aussi le cas en France. Donc, les peuples amérindiens de Guyane se considèrent aujourd'hui comme peuples autochtones. Et d'ailleurs, il y a eu, il y a quelques années, la naissance d'un mouvement qui s'appelle les jeunesses autochtones de Guyane, la JAG, qui ont été extrêmement actives de deux manières. D'une part, pour dénoncer l'abandon complet de l'État au niveau des services minimaux en Guyane, pour ce qui concerne l'Amazonie et le fleuve, et donc notamment au niveau de la santé. L'Amazonie est envahie par des orpailleurs clandestins qui polluent depuis plus de 10 ans le Maroni et au mercure, ce qui empoisonne les poissons et empoisonne la population. Et aucune réponse n'est donnée à ça par l'État, sauf de dire aux Amérindiens ne mangez plus de poissons, puisqu'en mangeant du poisson, ils s'empoisonnent encore plus. Voilà. Et pour contrôler l'orpaillage clandestin, l'État n'est pas non plus du tout à la hauteur. Il faudrait pour ça qu'il y ait peut-être des alliances et des stratégies avec le Brésil frontalier de l'autre côté de la Guyane vers le sud et vers l'ouest le Suriname, puisque les orpailleurs arrivent aussi du Suriname. Bon. En tout cas, par rapport à cette situation en Guyane, il y a une terrible détresse chez les jeunes et depuis des années, une épidémie de suicide chez les jeunes qui se pendent. Et donc, les communautés amérindiennes du fleuve ont alerté à multe reprises les autorités de la santé. Et finalement, il y a eu une enquête qui a été faite et qui a donné lieu à un rapport, qui a été faite par deux sénatrices, et qui a donné lieu à un rapport, et je suis allée à cette journée. Et donc, en 89, qu'en 89, lors de l'émission de télévision, il y avait un Calignat de Guyane française, Félix Tuka, qui était invité, et j'avais été extrêmement impressionnée par son intervention. Il avait vraiment secoué à l'époque les médias par une déclaration magnifique qui datait de 85 déjà, où cette génération-là, donc ma génération des 60 ans, s'était mobilisée pour déjà demander à l'État de faire quelque chose et de leur restituer des terres. Et donc là, nous sommes en 2015, au Sénat, les jeunes expliquent que les anciens se sont battus, certes, puis ont eu l'impression que tout ça n'était pas entendu par l'État et que eux, maintenant, les jeunes, ils se mobilisaient parce qu'il fallait recommencer à se battre et contre l'arpaillage, contre la pollution et puis pour la santé des jeunes. J'ai été très touchée par cette rencontre. Et donc, du coup, en 2017, quand Félix Tuka est invité
à l'EHESS pour une journée des peuples autochtones organisée par Irène Bélier, qui avait un grand programme européen sur les peuples autochtones, avec les peuples autochtones, et Dialogue, une organisation canadienne. Donc Félix revient, on se revoit, on s'était pas vu depuis 89, et il me dit « mais il faut que tu viennes en Guyane ». Et un mois plus tard ont lieu les Jeux Kalinia, qu'il organise dans son village, à Awala Yalimapo, et j'y vais.